14, très exactement, Shakura Saïda était sur cette même scène. Et on partage exactement la même passion avec Shakura et surtout on a l'amour d'une même grande chanteuse qui nous a quittés et qui était une sœur pour Shakura Saïda. Et moi, je ne sais pas si j'étais son frère, mais elle m'appelait régulièrement son petit frère. Il s'agit bien évidemment de Monica, Sister Monica Parker, qu'on va faire ressusciter. Je prie et je chante tous les jours pour elle en espérant que toute l'énergie que je lui envoie va l'aider à guérir. Et malheureusement, pendant que je la déposais à la gare TGV, quelques heures après, un journaliste qui me connaît bien me téléphone et m'annonce son décès aux États-Unis. Donc j'ai appelé Shakura qui était en tournée avec Guillaume Tricard qui l'accompagne et qui est ici ce soir présent. Et j'ai appris à Guillaume que Sista nous avait quittés et que je souhaitais qu'il le fasse savoir délicatement, bien sûr, à Shakura Saïda. Il lui a fait savoir, elle a mis plus de 45 minutes pour monter sur scène, tellement qu'elle n'y croyait pas et qu'elle était... Alors, j'étais membre du jury d'un tremplin blues et elle était marraine du festival de blues de Cahors. Et on a discuté tous les deux et on s'est fait une promesse. On s'est dit qu'on célébrerait ensemble et qu'on rendrait hommage ensemble à Sister Monica Parker. Et je suis content, je suis vraiment fier, elle a tenu sa promesse, nous l'avons tenue aussi. Et même sur une jambe, on ne pourra pas faire autrement tout à l'heure que de ressusciter la lionne du blues. Je vous laisse en compagnie d'une grande, d'une immense musicienne et chanteuse qui est Shakura Saïda. Merci à tous. The devil only knows my first name. The devil only knows my first name.
No, baby, don't you walk. Don't you walk. Don't you walk out there. When a woman tells you that wasn't it, believe her. Don't you walk. Walk out that door. Yeah. Yes. Flash down. Thank you.
Oh!
together for the lioness of the blues, your soul sister, Sister Monica! La lionne du blues en personne de tous les États-Unis de 2010, reconnue comme la plus grande bluesman et chanteuse gospel de tous les États-Unis en 2010, pour nous ce soir au sonographe, Sister Monica Parker. When I say fellas, I want every man in the room to say, yeah, fellas!
pu mettre le CD numéro 2, le cadeau pour Shakura ce soir. Donc, juste quand même pour vous rappeler que ça, c'était ici le 12 mars 2011. Ensuite, le lendemain, nous étions le 13 mars à la salle Benoît XII. C'était exceptionnel, elle avait encadré un stage de gospel ici. Et elle avait fait un concert avec tous les choristes qui avaient eu la chance d'être encadrés et dirigés par Monica. C'était un concert mémorable. Également donc à Benoît XII le lendemain, malgré tout ce qu'elle avait donné sur scène ici la veille, le samedi, elle avait vraiment donné tout ce qu'elle avait de meilleur. Elle était déjà malade, tu le sais. Elle luttait contre la maladie. Elle implorait Dieu en permanence. Et Shakura, en étant présente ici en 2014, elle chantait pour lui envoyer des messages d'espoir et de l'énergie. C'est ce que tu m'as dit quand je t'ai raccompagné à la gare TGV. On était très émus tous les deux et on croyait qu'elle allait réussir à rester parmi nous. Tu la connaissais, tu connaissais ses enfants. Pour nous, on n'a pas pu faire autrement que d'immortaliser, comme si tu étais encore sur scène avec elle, un petit montage photo qui doit être pour toi un souvenir à tout jamais. Voilà, de Sister Monica et Shakura, côte à côte, pour toujours, forever, ici au Sonora. Morceau que vous allez entendre, on va vous mettre en entier. C'est un morceau d'une profondeur extrême où Sista expliquait quand on est trahi par l'amour ou quand on est lâché par la vie, lâché par l'espoir, lâché par tout ce qu'on croit et tout ce qu'on a envie de donner ou ce qu'on a donné aux autres, on a envie de partir dans la dignité en hurlant et en faisant des cris de lionne. Et vous allez voir que ce morceau-là que j'ai choisi, il dure 7 minutes, vous pouvez rester, vous ferez comme vous voulez. C'est un morceau d'une profondeur extrême qui symbolise ce qui est Shakura au niveau de ce qu'elle vous a chanté ce soir et surtout de ce qui est ces gens qui donnent tout quand ils traversent également l'Atlantique pour venir ici en Europe, qui viennent partager leurs émotions, qui viennent partager leurs souffrances, qui viennent partager ce qu'ils ont été capables de vivre, ce que leurs parents ont vécu aussi. Tout ça est raconté dans cette chanson. Cette chanson, pour moi, c'est un voyage, non pas vers l'éternel, mais c'est un retour à chaque fois à la vie. Je vous remercie à tous et je remercie encore Shakura ce soir d'avoir été ici. So